J'ai eu l'occasion de rencontrer Alain Bachoun et il m'avait dit que s'il n'avait pas été connu, il serait musicien. La pureté du blues, comme je vous disais, c'est une musique qui parle à tous les hommes, qui parle pas seulement aux hommes noirs. C'est un canevas. Quand j'étais môme, que j'ai vu sur ce canevas, je pouvais jouer avec d'autres gens. Et j'ai mes premières compositions dans l'album d'ailleurs. J'avais 16 ans. À Warsbourne, Mississippi, je l'ai fait, j'avais 16 ans. Cet album, c'était mon premier voyage et l'originalité, c'est que j'avais enregistré des sons là-bas, des tempêtes, des bruits de bayou, des bruits d'électricité dans la Nouvelle-Orléans, etc. Et on a fait tout un fond sonore. Et c'est un album concept un peu. Oh, les bayous, c'est fantastique, c'est une sorte de paradis, la faune et la fleur. On est absorbé par cette atmosphère. Nashville, moi je l'ai découvert par le Nashville Skyline de Bob Dylan. Je connaissais la country quand j'étais môme. Et là, derrière, c'est carrément ça. On arrive, on est transporté dans une légèreté et ça joue à 9h du matin. Et donc là, j'ai un ami qui s'appelle Clay et c'est parti pour la journée. My baby, she's gone. My baby, she left me alone. She don't care of me. She didn't care about me. My baby, she's gone with another one. And she got a heart of stone. Sometimes I cry, and I cry over you. Oh yeah.